Hey, bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis. On va faire le Battlefield sur la version Jap, je sais plus c'est quelle édition. Cette fois-ci Golden Freezer sera puissance, donc on prend des teams agis pour aller le battre. Donc ça devrait bien se passer parce que la super agi est quand même ultra fat. Allez, on est parti, on commence avec Vegeta qui fait que des attaques spé. On va mettre Goku, on va mettre qui en second lead, on va mettre Vegeto. Ouais, Potala, t'as combien de Trunks, 100% je crois. Ouais, 100%, 90, ouais, vas-y. On va laisser comme ça. On va prendre Trunks Ikari, on va prendre le Gotenks, on va prendre sa tank. Voilà, comme ça, ça prendra que dalle sur les spé. On va prendre Migaté. Ah, voilà, et puis le petit Bardock LR qui supportera la team. Ça sera très très bien. On est parti. Let's go. Alors oui, évidemment, notre ami, comment ? Notre ami Satan qui sera pas totalement lead, mais c'est pas vraiment un problème. Hein. En soi, on s'en fout un petit peu, parce qu'il a la réduction. Alors ici, ouais, si on va quand même peut-être le laisser dans la route à Satan, parce que bon, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, après, il va prendre un peu de dégâts, hein, surtout full life, mais disons que ça sera pas trop mal, quoi. Ça sera pas trop mal. Allez, on est parti. Bon, par contre, la rota à niveau dégâts, c'est pas ça, hein, clairement. Alors, il peut esquiver, hein, rappelons-le, hein, 50% de chance d'esquive. N'est-ce pas, ça tank, hein, souviens. Voilà, mais 4, voilà, 43 000 en étant à moitié. Enfin, lead, c'est pas mal, franchement. C'est clairement pas mal. Allez, c'est parti, Gotenks Halloween. Ok, petite esquive éventuellement. Non. Combien on prend de dégâts? Et voilà, on prend plus que ça tank. Ah oui. Eh ouais. Migaté. Migaté, spé toujours joli quand même, hein, pour l'époque, hein. Il faut quand même le rappeler. Ok, là ça va taper déjà un petit peu plus quand même. Ok, Trunks Ikari, ouais, Bardock à la fin, c'est pas trop mal. On va faire ça. Trunks il va tabasser. Et Stoller il prend ça. Et toi tu te contenteras d'un petit ki violet. Bardock, c'est déjà bien assez pour toi. Et on est parti, Trunks Ikari 1,4 million, c'est pas mal. Ouais, bah il a beaucoup de PV cet enfoiré quand même, regardez, on met du temps quand même, hein. On met du temps pour le battre. Ouais, c'est pas rapide. Regardez ça. Esquive. Esquive, esquive, non. Ok, 30 000. Bon, ça va. Bardock. Bardock LR, ok. Boum. Très bien. Bon, l'aspect qui va taper un petit peu. Un petit peu quand même, ouais, 75 000. Bon, on a Goku qui peut esquiver, Satan qui peut esquiver, enfin il est bloqué de toute façon. Bon, malheureusement, je suis obligé de prendre pas mal de ki, mais c'est pas grave. Ah, là par contre, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Des ki arc-en-ciel pour Gotenks Halloween. Donc là, Satan, tu vas esquiver, parce que je te le demande, merci. Voilà, très bien. Goku, tu vas esquiver. Également, 50% d'esquive, donc tu esquives. Voilà. C'est à ma demande, voilà, tu esquives. Merci de pas esquiver. Mais bon, ça devrait aller quand même. Ouais, petit 50 000 quand même. Petit à petit, il est en train de nous, il est en train de nous avoir. Hein. Petit à petit. Pour Gotenks Halloween, les bons dégâts, mais encore 3 barres de vie. Hein. Et on est mid-life. Eh oui. Alors Migaté, Migaté c'est ouais, c'est à double tranchant Migaté. Hein. Oh, ouais. Ça peut être lourd comme ça peut être nul. Bon là je pense qu'on va en finir hein, concrètement. On va prendre ça, Trunks Kai va prendre tout ça, il va se mettre ultra bien. Migaté il a du ki. Bon là, t'es mort Vegeta, t'es mort frérot, t'es mort. Si tu meurs pas, moi c'est bon, je me casse. Tu meurs pas avec ça, je rentre chez moi, hein, c'est bon. Voilà, les bons dégâts. Non, mais il est mort. Il est mort tous les jours. Trunks Ikali. Oui. Ouais, mais ça, toi t'as cassé un frérot. Ouais, Migaté. Très bien, Migaté. Bientôt, hein, les 6 ans, les gars. Je rappelle, hein, Migaté. Merci, Leak Figurine. Hein. Bon, il y avait déjà une vidéo sur le sujet. Du coup, SSG3, on va prendre Goku 3. On va prendre ouais, Bardock Super Puissance. Vegeta pour... pour encaisser, pour abeille pour nous régène, VBLR, voilà, qui fait le taf comme toujours. Gogeta peut esquiver, et Gogeta puissance, tiens, voilà. Gogeta intelligence qui va bientôt passer ZTUR, voilà, on va jouer le puissance pour le fun. Et on est parti, idéalement, il faudrait avoir Vegeta 3 dans la première rotation. Ça n'est pas le cas, enfin, il vient après, ah non, c'est bon, en fait, il vient après, donc c'est nickel.
C'est parfait, il vient juste après. Donc ça fera bien le taf. Par contre, le plateau de ki va pas faire le taf là. Ok, ça va, on a un peu de luck. Parce qu'en gros, voilà, le Goku, je rappelle qu'il fait un décompte. Et en gros, il se paie le... enfin, sur ton Tarota que t'as en premier. Enfin, que t'as en la première fois. Et quasiment tout le temps. Donc en gros, là, il va me spé dans deux tours. Donc, du coup, bah, avec Vegeta 3, il n'y a pas de souci. Eh oui. Il y aura pas de problème. Ou 4, bientôt le ZTUR. Hein. Eh oui. Ouais, ça, il y en a besoin, il y en a besoin. Bon, deuxième rota, de toute façon, on pourra payer là, en vrai, elle nous régène tellement, enfin. C'est abusé, donc il n'y a pas trop de soucis. Hop. Deux petits ki. Le Belair, il prend un peu de dev. Gogeta, il va faire son truc. Bon, voilà. Ok, le décompte pour Abeille. Boum. La régénération. Voilà. Bon, on active pas la réduction, c'est un peu dommage. VBLR, il va taper un petit peu. Ouais, l'additionnel, c'est bien. Tu stack ta défense, c'est bien, mon frérot. Très bien. Très, très bien, ça. Très, très bien. Je suis fier de toi. Allez, Gogeta. Crise d'épilepsie coming. Allez, en plus, il m'en remet. Il m'en remet, les gars. Attendez, je ferme les yeux, parce que là, oula. Ouais, j'ai mal aux yeux. Oula. Bon, ça va pas, là. Non, j'abuse un peu, mais il faut bien avouer que ça va un petit peu trop vite, quand même. Bon, alors ici, on est bon. On va faire ça. Voilà. Vegeta va manger la spu, il va prendre que dalle. Et c'est parfait. Et après, il va redécompter, attention. Hein. Ah, et après, il commence à 2, pas à 3. Donc, quand même faire gaffe. Après, il y a moyen d'en encaisser une sur une carte normale. Hein. Tu vas prendre 250k, mais... avec pour Abbé, tu peux régénérer. Mais bon, attention quand même. Attention quand même. Ok, Gogeta, pas trop. Allez, il a encore 4 barres de vie, cet enfoiré. Hein. Mais vraiment, il a beaucoup de vie. Hein. C'est long. Hein. C'est super long. Ok, ok, ok. Y allez, Bardock. Vas-y. Ok, pas mal, pas mal. Pas mal. Bon, on va le tuer au prochain tour, mais... active skill. La flemme. Non, 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 fais pas ça, nous. Non, merci. Allez, on en termine. Allez, Goku, vas-y. Je compte sur toi, mon frérot. Allez, vas-y. Ouais, ouais. Et la deuxième. Pas mal, pas mal. Alors, métal couleur. Allez, Gogeta, Gotenks. On va taper très, très fort, très rapidement. Le Gotenks aussi, ici. Végéto... C17, Gowasu, Piccolo, ouais c'est pas mal hein, what, pas mal comme ça, allez c'est parti, let's go, alors Metal Cooler il régène, il met de bons dégâts, il fait un peu tout quoi, il fait un peu tout, une seule attaque, ouais pas très rentable on va faire ça, d'ailleurs C17 va se faire un peu aligner là mais bon. On n'a pas trop le choix, n'est-ce pas? Enfin non, bah non, bah non, vu qu'il y a... non. Mais non, parfait. Ah oui. Bon, Végéto bleu, je compte sur toi, oh, frérot, les contres. Hein. Ah oui. Je compte sur toi, je veux du dégât. Montre-moi des dégâts. Allez, vas-y. Pas mal. Des spé, pas des auto-attaques, frérot. Voilà, c'est bien. C'est bien, très très bien. Allez, encore, encore. Ah, dommage. C'est déjà pas mal. Attendez, il y a les contres qui arrivent. Premier contre. Boum. Oh, quelle carte quand même. Bah, évidemment, je me doutais que l'aspect allait tomber quand même. Ah, mais Végéto bleu endurance. Mais quelle carte. Mais c'est fou, quoi. Ah ouais. Quel respect. Allez, Gowas. Bah, il va taper que dalle, mais... ouais, vite fait. Parti vite fait. Bon, elle a quand même bien amoché, là. Hein. Ouais. Petite esquive. Bon, on prend que dalle. Ici, est-ce qu'il se régène? Il se régène, ouais. On va mettre Piccolo. Il y a l'aspect qui tombe juste devant, donc on va laisser Piccolo. On va laisser comme ça. Gotenks. Non, mais non, mais non, j'avais cliqué là. Mais non, mais non. Le misclic, tant pis. Tant pis, la flemme de relancer.
Le misclic de la souris, c'est parfait. On se met un petit peu de challenge en plus. Hein. Voilà, on est comme ça, nous. Hein. On part pas en SP, on part qu'en auto-attaque. On aime bien. Alors bon, c'est pas grave, hein, mais... Ok, métal couleur... Ah ouais, tirer du la def, cet enfoiré, c'est pour ça, ça picote un peu. Ah, j'allais dire attaque additionnelle, mais non. Bon, en vrai, il tape pas très fort, hein. Franchement, il tape pas très très fort. Ok, l'aspect un petit peu vite fait, et encore, hein, c'est pas méchant. Mais les auto-attaques, regardez, franchement, ça tape que dalle. Hein. Gotenks, il a un malus, hein, je rappelle. Hein. Le 16K, c'est rien, quoi. Franchement, il n'y a aucun problème. Hein. Y a aucun problème. Bon, bah allez, c'est fini, hein, frérot. Hop. Allez, on n'en parle plus. C'est fini. Ok, tu te régènes, mais c'est pas grave. Parce que là, derrière, tu vas prendre une grosse tarte, là, 2,9 millions. T'es peut-être one-shot, d'ailleurs. Ah ouais. Ah bah oui, frérot. Ah bah oui, attention. Hein. Allez, île de garde Extreme Tech. Hop, hop, hop. On met toute la team. Bro, je compte sur toi pour faire des très gros dégâts, mon frérot. On y va, let's go, Hildegarde, bon, un spécial, il tape pas très fort, il peut esquiver, voilà. Voilà son palmarès, voilà. Il peut un peu esquiver. Bon. C'est son palmarès, faut pas se moquer, mais il fait que ça. Alors là, par contre, ouais, c'est pas terrible. Hein. Le plateau de qui, il me plaît pas trop, les gars. Là. Ouais. Parce que Barrier Timebreaker, il met... Ah, ok, on a un petit peu de luck sur le plateau, ça fait plaisir. Rock Timebreaker ZTUR, quand c'est du mono-cible, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Allez, go. Non, mais commence pas, frérot, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Commence pas à tout esquiver, j'ai pas le temps. Arrête tes conneries, là. Arrête tes conneries. Voilà. Mais. Frérot, calme-toi, parce que. Enfin. Ouais, ok. Hein, c'est bon. Arrête, t'as 25% d'esquive à tout casser, donc c'est bon. What? Mais. Eh, je vais craquer. Hein. Je vais craquer, les gars. Mais regardez ce plateau de merde en plus. Mais je vais craquer. Mais je vais craquer ce plateau de merde. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Oh là 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 là. Non, mais le mec, il m'esquive 3 attaques sur 4. Attends, il a combien d'esquives? Mais non, mais il a que dalle en vrai. Il doit avoir 20% à tout casser. C'est pas possible. Ah non, mais là, ouais. Alors, Broly qui prend que dalle quand même, mais. Ah ouais, quand même, on se paye, ça picote un petit peu quand même. Non, mais faut qu'il arrête d'esquiver, c'est vrai, parce qu'il peut me faire perdre, non, mais à force avec ses conneries. Bah oui, en fait, c'est tout là le problème, si t'as vraiment pas de chance, il t'esquive tout le temps, et puis voilà, c'est bon. Mais bon. Ça va, ça devrait bien se passer, les gars. Voilà, un petit changement de qui va pas me servir, en fait, hein, parce que voilà. Super. Bon, cette tech régène. Ok. Ça devrait bien se passer. Une attaque additionnelle? Non. Celtec. Bon, moi je régène même si je touche pas. Ok, ça touche. Bon, voilà, après il est fragile, hein. Je veux dire, il est assez fragile. Hein. Voilà, tu vois, bon, ça picote hein, quand même. Hein. Ça picote très très fort. Et voilà la petite esquive, mais là je m'en fous complètement, bah oui. Ah, je m'en fous là. Tu peux esquiver là, puisque j'allais te taper. Ouais, bon, après il tape pas très très fort. Hein. Ça va, c'est vite fait. Allez, bro. Tu finis, bro. Allez, bro, c'est parti. Je compte sur toi, frérot. Eh, ça va piquer. Hein. Ça va piquer très fort. Allez, vas-y. 2 millions de... Mais arrête d'esquiver, oh. Eh, c'est bon, là. Stop. Stop. Pareil que t'es breaker, alors. Ok, merci. Ah, mais c'est bon, attendez. Oh. Se calme. Allez, salut. Alors, mon frérot Golden, on va partir en famille de Goku, il va falloir qu'on le tarte quand même très très vite, hein. Voilà, la régénération qui peut faire le taf, évidemment. Qu'est-ce qu'on va prendre? Fitbou? Ah, il Fitbou. Fitbou invincible? Eh oui. Ouais, oh, on prend de Bardock. Allez, let's go. Let's go, let's go. Bon, je rappelle qu'il va bloquer l'aspect d'un de nos personnages. Qu'il a beaucoup de PV et qu'il tape plutôt fort quand même. Hein. Ah oui, Bardock, mais oui. Mais oui, Bardock, active skill tout de suite. Et en plus, on a tous les bonus face au Freezer. Ah oui. Let's go. Mais oui, c'est vrai ça. C'est beaucoup trop stylé, les gars.
Et ouais, bah c'est vrai qu'on y pense pas souvent à ça, parce que bon, on rencontre pas du freezer tous les 4 matins non plus, mais... Et c'est vrai que c'est grave utile, en fait. Enfin, dans les cas, voilà, on peut le faire, c'est vrai que c'est appréciable. Bon bah, Jubai, par pense-pé, Jubai, hein. Pourtant il allait taper comme un sourd, mais... Allez, vas-y. Vas-y, bon, Gohan, un doublon quand même, Gohan, un petit doublon. Vas-y, Bardock. Vas-y, mon frérot, on a eu un doublon en plus récemment. Oh, l'aspect est tellement belle, j'adore. Franchement, elle est magnifique. Magnifique. Oh lolo, lolo, lolo. Parfait, ça, parfait. En plus, on a une réduction et tout. Vas-y, tu peux taper, tu peux taper. Je sais plus s'il réduit la def, lui. Ah, si, il réduit la def, l'enfoiré. Bah, les boss, quand ils nous réduisent la def, ça picote. Hein. Ça, c'est assez pénible. Bon, deuxième rota, Goku et CJ. Alors là, par contre, les gars, c'est cadeau. Hein. Aïe. Alors, toi, tu vas prendre tout ça. Ouais, c'est bien. Tu vas prendre tout ça. Et toi, tu vas prendre tout ça. Voilà. Allez. Ok. Pas mal, pas mal. Esquive tout là. Esquive. Esquive. Allez. Ok, pas mal. Encore. Ok. Bon, ça va faire le taf là. Ah, quand même. Bon, Gohan est bloqué, donc tant pis, on va faire ça. On va prendre un petit ki. Et Goku SJ4, il va se mettre ultra bien. Peut-être terminé, mais voilà, la team, elle est vraiment trop forte, sérieux. Elle est trop puissante face à ce genre de boss, là, y a pas de souci. Hein. En plus, avec quoi, avec le Goku qui régène, c'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. 3 000... Oh là là, non mais Bardock. Bardock incroyable, hein. Bardock. Alors là, il a fait sa game. Hein. Ah ouais, bah c'est fini. Hein. Oh le coco, oh là là, triple spé. Mais quel homme, Bardock. Mais alors, Bardock MVP Battlefield, incroyable. Ah ouais, non mais là, c'est un délire, les gars. Donc voilà les amis, bah c'est tout pour cette édition du Battlefield, donc bon, rien de particulier à signaler, hein. Je sais pas si on va bientôt changer de boss sur la Jap peut-être, bon, peut-être pas quand même, hein, mais bon, on verra bien. En tout cas, bon bah Bardock, incroyable, fin game du turfu, hein. Clairement si vous l'avez, n'hésitez pas à le ramener quand Freezer est puissance, parce que c'est vraiment parfait quoi, franchement ça va tanker, ça va tabasser. Donc c'est vraiment parfait. Donc voilà les amis, sur ce, bah, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, n'hésite pas à s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut !